Hey, salut à tous, c'est Kilmoon, on se retrouve aujourd'hui pour un guide complet sur le business de l'import-export en lien avec l'entrepôt de véhicules. C'est un business hyper rentable car une fois bien optimisé, on peut se faire 80 000 $ toutes les 20 minutes et c'est excellent car si vous couplez ça avec par exemple un contrat téléphonique de l'agence, vous pouvez vous faire 165 000 $ toutes les 20 minutes, soit 495 000 $ par heure avec seulement ces deux business, c'est monstrueux. Afin de pouvoir acheter un entrepôt de véhicules, il faut d'abord avoir une entreprise, la moins chère que vous pouvez acheter et c'est de la Maze Bank pour 1 000 000 $. Une fois cela fait, vous allez vous rendre dans votre terminal, cliquer sur trafic de véhicules et vous allez pouvoir acheter votre premier entrepôt. Tous les entrepôts disponibles ont une capacité maximale de 40 véhicules et je vous conseille d'acheter le moins cher au prix de 1 500 000 $ car sa localisation est top. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter un visuel différent pour l'intérieur de votre entrepôt, c'est un choix purement personnel et esthétique et n'influencera aucunement vos gains, donc personnellement je ne vous le conseille pas. Au total, il faudra donc au minimum 2 500 000 $ pour vous lancer dans ce business. Alors comment fonctionne le business? Le concept est très simple, vous allez dans votre terminal de votre entreprise ou celui du Terrorbyte pour gagner plus de temps, vous demandez un vol de véhicule, vous allez pouvoir voler un véhicule de différentes valeurs qui s'affichera en bas à gauche de votre écran au début de chaque mission. Vous avez trois catégories de véhicules, bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. A l'inverse des missions de marchandises spéciales, tous les lancements de ces missions sont gratuits. Le seul investissement probable que vous pouvez faire sont les réparations des dégâts obtenus lors du vol de véhicules. Vous les ramenez à votre entrepôt et vous les modifiez en échange d'un investissement et vous faites un profit en les revendant à un dealer. Maintenant, nous allons voir comment maximiser les gains avec ce business. Il y a trois types de véhicules à voler. Bas de gamme qui vous permet de faire un profit de 30 000 $, des véhicules milieu de gamme qui vous rapportent un profit de 50 000 $ et des véhicules haut de gamme qui vous rapportent un profit de 80 000 $. Donc la logique ici serait de toujours voler les véhicules haut de gamme et de ne vendre que ça. Et je vais vous dire comment faire cela. Comme je vous l'ai dit, lors de l'achat, la capacité maximale de votre entrepôt est de 40 véhicules, mais il y a seulement 32 véhicules différents à voler. Et ces 32 véhicules sont composés de 10 véhicules bas de gamme, 10 véhicules milieu de gamme et 12 véhicules haut de gamme. De plus, en dessous de 32 véhicules, vous ne pouvez pas avoir de doublons. Et donc, si vous remplissez la totalité de votre entrepôt, vous êtes censé avoir 8 doublons. Donc la technique ici serait de faire en sorte que vous ayez 10 véhicules bas de gamme ainsi que 10 véhicules milieu de gamme. Vous aurez alors 20 véhicules dans votre entrepôt et à partir de maintenant, lorsque vous allez démarrer une mission de vol de véhicules, vous tomberez à 100% sur des véhicules haut de gamme. Avant de passer au vent, je vais vous dire comment optimiser votre entrepôt en fonction de deux cas de figure. Si votre entrepôt est vide, vous allez enchaîner les missions de vol, mais dès que vous tomberez sur un véhicule haut de gamme, vous le vendez directement et vous allez faire ça jusqu'à avoir 10 véhicules bas de gamme et 10 véhicules milieu de gamme dans votre entrepôt. Si votre entrepôt est rempli ou presque, vous allez vendre tous vos véhicules haut de gamme et par la suite, vous allez aussi vendre les probables doublons de véhicules des catégories inférieures, car comme je vous l'ai dit, au-dessus de 32 véhicules, vous pouvez avoir des doublons et ce dans toutes les catégories. Ensuite, vous rejoignez le cas de figure numéro 1, dans lequel il faut avoir 10 véhicules bas de gamme et 10 véhicules milieu de gamme pour avoir un total de 20 véhicules. Ces 20 véhicules, vous n'y touchez plus et les laissez entreposer dans votre entrepôt et tous les véhicules que vous allez maintenant voler seront des véhicules haut de gamme. Donc en résumé, 10 voitures bas de gamme, 10 voitures milieu de gamme et vous vendez que les haut de gamme. Et si vous ne les vendez pas tout de suite après les avoir volées, vous ne dépassez pas les 32 voitures dans votre garage pour ne pas avoir de doublons. Avec cette technique, vous ferez maintenant 80 000 $ toutes les 20 minutes. Les 20 minutes sont un cooldown entre chaque vente. Et on va prendre comme exemple un véhicule haut de gamme. Lorsque vous allez le vendre, vous allez cliquer sur export et vous allez maintenant choisir le concessionnaire spécialisé qui sera l'acheteur qui vous permettra d'avoir le plus gros profit avec un paiement de 100 000 $ auquel nous déduirons 20 000 $ des modifications d'avant-vente. Ce qui fait que nous avons bien un profit de 80 000 $. A l'inverse de l'atelier auto, ici les personnalisations sont à votre goût et vous avez le champ libre. Une fois les modifications terminées, vous allez pouvoir effectuer la vente et je vais vous conseiller trois techniques. La première technique est d'utiliser un cargo bob pour amener votre véhicule sur le lieu de livraison. Et la deuxième technique consiste à faire la vente en partie publique, comme ça les PNJ ne spawneront pas et ne vous attaqueront pas. De plus, vous aurez un pourcentage de 2,5% par personne présente dans la session avec un bonus limité à 50% maximal, ce qui fait que votre vente totale pourra aller jusqu'à 150 000 $. Et ne vous inquiétez pas si le butin final est de 100 000 $, vous pouvez voir ici en haut à droite qu'il est bien de 150 000 $. Et la troisième technique est de faire la vente en partie sur invitation et donc au bout d'un moment vous serez attaqué par des PNJ, la technique ici, et c'est faisable pour tous les entrepôts. Vous allez rouler et vous écarter à deux blocs de votre entrepôt et à ce moment-là les ennemis vont spawn. Vous allez alors quitter votre véhicule rapidement avant qu'ils ne vous attaquent et vous allez les éliminer, à savoir qu'il y aura seulement 4 vagues de PNJ, donc une fois les 4 vagues éliminées, vous serez tranquille pour le reste de la livraison. Et voilà, vous avez effectué votre première vente et vous n'avez plus qu'à réenchaîner avec un vol et procéder à une nouvelle vente une fois que les 20 minutes de cooldown seront terminées. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé ce petit tuto, n'hésitez pas à commenter, en tout cas les gars, je vous donne plein de bonnes vibes et je vous dis à la prochaine vente de machines. Tchuss !